termine avec vous, Patricia Daré, dans le fauteuil pour les lumières de l'invisible. Alors la question traditionnelle, même si vous le racontiez déjà dans le livre précédent, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, c'est comment on se rend compte la première fois qu'on a ce don de médium? D'abord, je vais dire que ce n'est pas un don, mais que c'est une possibilité. Ah. Voilà. Non, j'aime pas le mot don, je trouve que ça fait... voilà, c'est pas un don, c'est une possibilité que tout le monde a, que tout le monde peut développer, que tout le monde a, plus ou moins grande échelle. C'est-à-dire que ça pourrait nous arriver... Ah, mais ça arrive à plein de gens. Moi, je rencontre tous les jours des gens qui ont ces capacités de prémonition, de ressenti, de... Voilà. Après, comment ça arrive? Alors, c'est différent suivant les gens. Moi, ça m'arrivait très tard, ça m'arrivait il y a 20 ans, j'étais déjà vieille. Et donc, ça m'est tombé dessus d'un seul coup, alors que j'étais quelqu'un de rationnel et de absolument pas intéressé par ça. Et c'est ce qui m'a troublée. C'est que je n'étais pas intéressée par ça. Alors, il faut expliquer que vous avez perdu, hélas, votre mari. C'est ça qui a provoqué les choses ou non, c'est... non, non, c'est la naissance de mon fils, bizarrement. C'est arrivé 2 mois après la naissance de mon fils, c'était en 95. J'étais vraiment bien, j'étais heureuse, mon mari était encore de ce monde. Tout allait bien. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça, parce que j'avais attendu mon fils pendant 8 ans. Natacha sait que quand on attend un enfant, on est tellement occupé à l'attendre, à le pouponner, qu'on n'est pas du tout, on n'a pas du tout envie de venir Madame Irma. C'est la dernière chose que j'avais envie de faire. Et c'est arrivé 2 mois après, d'une façon brutale, par une nuit, comme je raconte dans le livre. Et j'ai vraiment cru, tout de suite, évidemment, ça n'a pas été de dire « Ah, tiens, je suis médium, comme c'est étrange. » J'ai dit « Je suis malade. J'entends quelque chose qui me parle, qui me demande d'écrire. » J'écris sous la lève-toi, prends un papier et écris. Alors je me dis, ça y est, je suis schizophrène, je suis en train de me donner des ordres, c'est très grave. Et puis, évidemment, je le fais, et le papier écrit, enfin, je ne comprenais pas que j'écrivais sur ce papier, et que dans ma tête, il n'y avait pas d'idée. Donc, et ce que vous écrivez, c'est bien ça, à partir de maintenant, tu es en contact avec l'autre dimension. Une autre dimension. Et je dis, mais voilà, ça y est, je suis malade, quoi. Le lendemain matin, je prends rendez-vous chez un psy. Et la disparition de votre mari, pardon d'en parler. Oui, mais... non, il n'y a rien de... Vous parlez librement de tout ça, parce que vous dites, voilà, c'est une autre vie pour lui. Enfin, oui, bien sûr, une autre mari façon est mort il y a 2 ans, ouais. Ma mère a suivi 3 semaines après, donc c'était deuil sur deuil. Et c'est ce qui est étrange, c'est que cette disparition m'avait été pratiquement annoncée en 2007. Et d'une façon totalement étonnante et qui m'avait un petit peu fait peur. Mais je dis, qu'est-ce que je vais faire? Et on me répond, tu vas être très occupé, tu vas devoir parler de cette possibilité que tu as, alors que c'est une chose que je n'en parlais pas, parce que je ne pouvais pas en parler. Enfin, ça me paraît, j'avais toujours honte, et quand il m'arrivait soit un message, soit une communication avec l'au-delà, de le dire à la personne, j'avais toujours honte. C'est-à-dire que j'avais la sensation que j'allais être décrédibilisée, que quelque chose de moi n'allait plus être considéré. Donc ça a été vraiment un problème, mais je le faisais quand même. Mais je dis, le dire, en parler comme ça, c'est pas possible. On me dit, si, tu vas le faire et tu vas devoir en parler. Et je dis, je peux pas, parce que de toute façon, mon mari est là, il ne l'acceptera pas, ça sera pas possible. Et on me dit, il ne sera plus là. Et je pose la question, il va donc divorcer? Et on me dit non. Vous écrivez en tout cas que nos défunts nous envoient des signes. S'ils ne sont plus des corps matériels, ils sont constitués d'une énergie qui peut provoquer des perturbations électromagnétiques. Certains, dites-vous, utilisent pour ça des lampes qui s'allument ou qui s'éteignent, des appareils électriques qui se mettent à clignoter sans qu'on comprenne pourquoi. Parfois, certains, mais ça leur est très difficile, peuvent même faire déplacer des objets. Pourquoi ça leur est difficile de faire déplacer des objets? Parce qu'il faut énormément d'énergie et que cette énergie, ils doivent la puiser quelque part. Et eux-mêmes n'ont pas cette énergie. Il faut toujours des bases énergétiques assez puissantes pour qu'ils puissent faire ça. Donc, ils n'y parviennent pas. Alors, c'est vrai. Nous n'y parvenons pas. J'ai envie de vous croire, parce que c'est vrai que parfois, nous-mêmes, on est confrontés à ce genre de truc et on se dit, tiens, c'est un fantôme, c'est quelqu'un qui se... C'est pas possible, je suis sûr que j'ai éteint, ça s'est rallumé. Alors bon, ça m'arrive, moi. Mais bon, je deviens fou, c'est parce qu'en fait, j'ai oublié que j'avais éteint. Et parfois, on a envie de se moquer de vous, parce que quand vous dites, par exemple, votre mari, hein, pardon, mais puisque c'est de lui dont il s'agit, vous dites qu'un jour, un matin, à travers la fenêtre, vous voyez une noix, noix blanche, et vous dites, cette oie, c'est mon mari. Enfin, c'est toi, pas comme ça. C'est toi. Cette oie... Non, ouais, oui, vous avez pris des raccourcis. C'est du Raymond DeVos, ça. Ouais, cette oie, c'est toi. Cette oie, c'est mon mari. Non, ce que je veux dire, c'est un raccourci vraiment assez important quand même, là.
Non, je dis que, bah oui, mais parce que tous ceux qui ont perdu un être cher le savent, il y a des signes qui arrivent qu'on ne peut pas, on n'en parle pas d'ailleurs. Personne n'en parle. Peur de la moquerie, peur d'être pris pour des fous. Des signes qui sont avec des papillons, des oiseaux, des choses incroyables. Et ce qui est plus étrange, c'est qu'on voit certaines apparitions, certaines manifestations d'animaux, surtout les volatiles, tout ce qui est un peu léger et mobile. Et les gens me disent, je sais que c'est pour moi. Vous voyez les perroquets là dans le film, hein? Ouais. Non, mais c'est très drôle parce que moi j'avais une très vieille tante au Cameroun. Et elle me dit un jour, j'en ai marre, ma voisine vient dans mon jardin me voler des fruits, etc. Et je lui dis, et elle me dit, et pour pas que je la reconnaisse, elle se transforme en facochère pour venir voler et manger dans mon jardin. Et je lui avais posé la question, je lui dis, comment tu sais que c'est ta voisine? Et elle me dit, elle avait gardé ses boucles d'oreilles. Mais c'est vrai que... Vous avouez que c'est compliqué de parler de l'au-delà comme ça. Ah, c'est ici, vrai que c'est compliqué. C'est mais, quoi mais c'est la vérité. Parce mais que, non, ce côté animiste, on l'a beaucoup encore en Afrique. Mais après. Bien sûr, non, mais c'est sûr. En plus, en Afrique, c'est vrai que tout le monde est très proche de tout ça. Et que tout mais monde c'est aussi souvent un handicap à certaines régions d'Afrique quand c'est trop ancré. Donc. Après, c'est de la croyance. Oui, c'est de la croyance. C'est de la croyance, en fait. Oui, moi, j'ai mon petit neveu, par exemple, qui a grandi avec moi, qui est arrivé d'Afrique à 12 ans. Et avant de dormir, tous les soirs, il retournait le miroir. Mmh. Et on a fini de demander pourquoi. Et il disait qu'effectivement, au Cameroun, si tu dors en face du miroir, tu pouvais être aspiré dans le miroir et ensuite oui, être prisonnier du miroir. C'est l'autre côté, oui. Mais c'est tout ça, il y a des traditions. Mais c'est un aspect, évidemment, religieux. C'est exactement la même chose. J'ai lu un peu le bouquin tout à l'heure. Oui, c'est... Alors, je vais dire que les religions sont quand même basées sur... Les gens qui ont écrit toutes ces choses, toutes ces dogmes, ont quand même reçu, sont quand même des médiums qui ont reçu des choses. Évidemment, ce n'est pas différent. La base n'est pas différente. D'accord. Je veux dire que je me détache des religions parce que je ne me reconnais pas dans tous les dogmes et dans ce qu'on a fait de tout ça. C'est-à-dire qu'on a simplifié au maximum. La chose est extrêmement complexe. On simplifie tellement que ça devient une petite histoire pour enfants, souvent. Alors là, la religion est très bien. Je suis laïque. Et je ne suis pas là-dedans. Mais c'est un moyen d'accéder à ça. Ce n'est pas une fin. Le problème, c'est que la religion est devenue une finalité. Je pense qu'il y a en effet une grande méconnaissance de ce genre de phénomène et que sans doute l'être humain a eu à un moment une capacité à percevoir ces ondes magnétiques plus fortes. Certains individus l'ont sans doute encore. Oui, très bien. Vous ne croyez pas que c'est des conneries qu'on nous a racontées, des légendes qui se sont perpétrées à travers le... Mais elles sont sans doute fondées sur quelque chose, sur l'idée qu'il y a à un moment des individus qui perçoivent, ou des animaux. Ce sont souvent des récits d'animaux qui perçoivent. Donc pourquoi pas? Je veux dire, ça, je pense que ça n'a rien de totalement, justement, irrationnel. En tout cas, la façon dont on perçoit la rationalité aujourd'hui, en Occident, est quelque chose de très particulier. Ce qui me gêne dans votre livre, en fait, c'est que tout ça, justement, est un arrière-fond, mais qu'on perçoit très très peu, et qui est habillé par un discours un peu New Age, qui là, pour le coup, me laisse, alors là, mais totalement, totalement c'est pas froide. New Age. Par exemple, quand vous nous racontez que certains ont envie de se refaire le nez, ont des problèmes avec leur corps et qu'ils vont avoir recours à la chirurgie esthétique, mais que l'âme, elle, ne se décompose jamais, et plus on va la mettre au service de l'évolution de l'humain, au service de l'autre, plus elle va se renforcer, nous permettre de vivre de belles choses et de faire des expériences merveilleuses. Là, il y a un côté, comment dire... C'est-à-dire que je ne vois pas bien l'intérêt de cette partie-là du discours, qui est un discours rabâché sur, en gros, il faut ouvrir son âme, s'aimer, etc. Et je trouve que j'aurais préféré nettement que vous nous expliquiez, en gros, un peu plus précisément, quelle vision du monde est née chez vous de ce rapport à l'au-delà que vous dites avoir. Mais c'est exactement ce que je combats dans le bouquin. Je dis, le discours New Age, aimez-vous les uns les autres, je dis, on est là pour être heureux. C'est différent. Le but de cette vie, c'est d'être heureux. Or, on n'arrive pas à y accéder. Parce qu'on se pose mille questions et on oublie de faire marcher la partie, justement, irrationnelle, la partie de l'instinct. Et cet instinct que l'on a en soi, ce souffle que l'on a en soi, qu'on ne fait plus fonctionner, fait que nous ne pouvons pas être heureux. Nous sommes uniquement dans la matière, dans le rationnel, qui fait qu'on est toujours entouré de leurre. Je dis le corps, c'est une chose nécessaire. Mais si, le culte du corps est un leurre. Bon, voilà. Celui qui n'y croit pas du tout à tout ça, c'est Aymeric Caron. Hein.
Donc, Claire. Le sujet m'intéresse, le sujet me passionne, parce qu'en effet, je crois, comme Natacha, qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Bien sûr. De notre cerveau, déjà, à l'heure actuelle, on ne connaît que 10% des capacités de notre cerveau. Effectivement, il y a des choses, on a des expériences sur des animaux qui ont un sens très particulier qui va leur permettre, par exemple, de retrouver leur maître à des milliers de kilomètres, etc. Donc on sait qu'il y a forcément des choses qu'on ne maîtrise pas. Maintenant, le livre lui-même, ça qui est même dangereux, hein, je peux dire le mot, c'est qu'effectivement, vous manipulez tout un tas de concepts qui peuvent être intéressants en eux-mêmes pour en faire quelque chose d'assez indigeste. Peut-être même une grande épreuve de charlatanisme, hein, franchement. Oh, carrément. Oui, carrément. Oui, alors c'est idiot. Non, mais réellement, alors on ne sait pas trop, vous parlez d'ésotérisme, à un moment de coaching personnel, à un moment on est quasiment dans la médecine douce, enfin, il y a des tas de choses qui se mélangent comme ça. Qui non, il n'y a pas de médecine douce. Non, il n'y en a pas, on pourrait quasiment y être. Je raconte mon expérience, ce n'est pas un traité, ce n'est pas un guide pratique. Non, et puis alors, vous je mélangez... Je raconte vous... ce qui m'est arrivé, ce n'est pas un guide pratique et ni un traité alors, pour, une convocation pour un guide à suivre, en tout cas. Il y a une convocation de la science, évidemment, pour que quand même il y ait une espèce d'assise, qu'on puisse y croire un petit peu. Alors cette préface complètement surréaliste d'Alexandre Adler, je ne sais pas s'il était dans son état normal lorsqu'il a écrit cette préface, mais c'est assez curieux. Donc lui aussi, il fait référence à la théorie des corps, donc je ne suis pas du tout un spécialiste de ce sujet, mais en gros, c'est l'idée qu'il y a des univers parallèles, hein, c'est ça, il y en aurait 11. Oui, enfin, remarquez, quand on le croisait à Europe 1, il ne disait pas bonjour, il parlait plus aux morts qu'aux vivants, hein, manifestement. Ça doit être ça, ça explique certaines de ses chroniques. Et donc, si on comprend bien l'idée, c'est de dire que dans ces univers parallèles, des dimensions parallèles, 11 dimensions, donc 11 univers, contrairement aux 4 qui sont reconnus aujourd'hui. Donc théorie absolument pas prouvée, mais vous dites en gros que dans cet univers parallèle, il y aurait des âmes, hein, des morts qui pourraient très bien être là, des esprits. Bon, alors, ça encore, c'est une vieille lune, hein, c'est très classique, c'est comme quand on a découvert la radio, les ondes, là encore, il y a des astronomes qui croient au spiritisme, qui là aussi ont dit, ah ben on va pouvoir parler avec les morts via la radio. Donc il n'y a rien de très, très neuf là-dedans. Et puis alors, cette manière de convoquer la science, je le disais, ça vous fait dire des choses absolument... que je trouve, c'est des inepties, quoi. Nous sommes de la poussière d'étoiles et l'énergie cosmique qui nous anime a été créée avec l'univers. Un peu plus loin, notre âme est aussi le cosmos. Avant notre naissance et après notre mort physique, dans cet au-delà, la matière n'est pas aussi dense qu'ici-bas et la douleur et la souffrance ont disparu. Mmh. Voilà, enfin, à un moment, on se dit, mais donc on peut dire tout et n'importe quoi. Non, c'est démontrer. Pas tout n'importe quoi. Bah si, c'est ce qu'on vous a dit, en fait. C'est ce qu'on m'a dit. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit, tout simplement. Alors, c'est tout n'importe elle quoi pour sur vous. Sur la dictée. C'est pour vous tout et n'importe quoi parce que vous n'êtes pas réceptif, que vous êtes... Il vous corrige vos fautes après ou pas Que vous êtes enfermé dans votre conviction et je non, n'irai pas du tout, et je la respecte. Simplement, j'ai besoin qu'on me démontre un minimum. Il n'y a aucun début... si vous voulez, de démonstration dans ce que vous dites. Ah non, mais des le problème, c'est qu'on est obligé de la croire sur pas. Non, dans ce cas-là, moi, je suis... Il n'y a pas de démonstration, je ne suis pas une scientifique. Je suis la réincarnation de Vercingétorix dans ce cas-là. Non, mais je peux tout dire, moi aussi. Mais moi, non, il n'est pas question. Moi, je suis... Non, je peux dire ce que je veux. Vous... Alors, pourquoi essayez faudrait... de le pourquoi dire. Pourquoi faudrait qu'on vous croie, Émeric, essayez de le dire et voyez... Si vous aurez les mêmes réactions oui, que moi. Oui, il va m'arriver malheur, je le sens. Non, mais pas du tout. Mais pas du tout. Vous me prenez pour une... C'est totalement... Une sorcière non, oui, c'est débile. Non, pas vous. C'est pas du tout pas là-dedans. Vous, mais... Je ne suis pas du tout ni dans la superstition. Je ne suis pas du tout là-dedans. Vous plantez. Ce que je dis, j'essaie de le dire avec des mots parce que je parle d'une chose qui m'est arrivée qui est extrêmement difficile. Alors, essayons de comprendre. Est-ce que je peux poser deux, trois questions ? Qui est extrêmement difficile à interpréter d'accord. et à traduire. Alors, pour essayer de comprendre. Alors, trois questions. Juste, non, pas essayer de comprendre. Donc, par exemple, effectivement, il y a déjà un problème. Donc... Que les gens comprennent bien le système, il y a des âmes hein, qui sont donc dans une autre dimension, c'est ça dans oui, tout le monde le sait, dans une autre dimension, oui, les âmes... Et elles s'incarnent de temps en temps, hein, ce sont les mêmes âmes qui s'incarnent, qui ont plusieurs vies. Il y a des gens qui viennent sur Terre et qui s'incarnent et qui repartent, oui. Donc, c'est-à-dire que la même âme a plusieurs vies, plusieurs corps. Ah, je ne sais pas. C'est ce que vous dites. Oui, elle perdure en tout cas. Alors, elle est question. De tout temps et elle continue. Pardonnez-moi, très basique, très rationnel, on est 7 milliards aujourd'hui, on était 500 millions sur Terre il y a 5 siècles... On sera 10 milliards oui. bientôt 15. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? C'est-à-dire pourquoi elles viennent d'où toutes ces âmes qui s'incarnent puisque, alors pourquoi elles ne sont pas incarnées avant? Pourquoi elles s'incarnent maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elles ne sont pas incarnées avant? Parce qu'il n'y a pas que la Terre comme dimension. Ah, c'est pas dans le livre ça. Si. Bien sûr que c'est dans le livre. C'est dans le livre. Donc elles sont incarnées ailleurs. Ah oui. C'est bien. J'ai tout un chapitre là-dessus et c'est bien expliqué. Il n'y a pas que la Terre. La Terre n'est qu'un passage. Le débat n'a aucun intérêt, on est d'accord. Non, non, c'est absolument passionnant. Mais non, mais là, c'est comme dire Jésus a-t-il marché sur l'eau? Essayez de le justifier, oui, votre histoire. On parle d'un livre que j'ai écrit. Je dis, il n'y a et pas là, que ils ont ça. Tous décidé de venir s'incarner depuis un siècle ou deux. Ils viennent tous s'incarner sur Terre, ces esprits. Bon, aujourd'hui, je prendrai 100 minifères pour dormir. Non, mais j'essaie de. Mais non, mais. Bien sûr, parce que vous parlez en chiffres. En nombre d'âmes. Excusez-moi d'être un minimum rationnel. Ben, parce que vous êtes trop rationnel. Vous n'arrêtez pas de vouloir définir. Par rapport à ce que vous voyez, mais ce que vous voyez n'est qu'une fraction de ce qui existe. L'invisible est plein de choses que vous ne voyez pas. Tout ce que... Par définition, oui.
Je suis désolée. Je ne le vois pas, je vous confirme. Sous Louis XIV, l'électricité existait. Non, mais attendez, Émeric. Sous Louis XIV, l'électricité existait. Si un mec avait dit, vous savez, il y a de l'électricité dans l'air, un jour on va appuyer sur un bouton, il y aurait de la lumière. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on aurait fait à ce sujet? Ça, c'est pas faux. Là, mais ça, oui, ça, mais c'est un truc. Parfois, alors, je me dis, au fond, qui aurait pu imaginer, il y a quelques siècles, qui aurait pu imaginer qu'on se serait parlé en envoyant des mails, des livres entiers, en appuyant sur une touche à des milliers de kilomètres. Personne. Mais évidemment. Et on fera encore plus de choses. On va essayer de m'expliquer. J'arrive toujours pas à comprendre. Qui dit des choses intéressantes. Raël aussi. Enfin, des tas de gens. Mais il y a des services qui n'ont rien à voir. Portable sans fil et tout ça. Autre question, c'est la question que je posais Laurent tout à l'heure. Même avec le fil. La question, c'est quoi la fête que vous dites, Fabrice? Non, elle dit le portable sans fil. Je dis même avec le fil, je comprenais déjà pas comment ça marchait, moi. Mais oui, mais raison. Mais oui, c'est dingue, au fond, tout ça. Alors, c'est quoi le but au final? Parce que vous dites, par exemple, alors, on choisit, pardonnez-moi, on choisit de naître dans un corps qui va avoir un accident de voiture, par exemple. C'est ce que vous dites. Mais c'est pas ça, vous prenez des raccourcis terribles, c'est pas du cri comme ça. Mais si, vous dites, on choisit nos épreuves. On choisit ce qu'on va vivre. Si on est handicapé, on choisit ce qu'on va vivre. Vous dites qu'une âme peut choisir de naître dans un corps profondément handicapé, dans un corps qui ne va faire que souffrir. Vous dites qu'une âme peut choisir de s'incarner dans un fœtus qui va être avorté. C'est vrai qu'on a du mal. Je sais qu'on a du mal, parce qu'on est ici et maintenant et qu'on est là, non, incarné. C'est très difficile. Je me demande si je ne suis pas déjà un peu ailleurs, moi. Mais non, mais c'est vrai, parce que poser sous ces termes, c'est compliqué. Quand on le choisit, on ne connaît ni la souffrance ni l'émotion. Voire même dans mon lit. Voilà, c'est pour ça. Natacha, dernière intervention. Non, juste pour ajouter, c'est vrai qu'il y a des éléments dans le livre qui gâchent complètement, enfin, c'est-à-dire qui nous laissent perplexes. Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice? Ça n'a aucun sens, votre discussion. Non, mais c'est vrai. Elle vous raconte qu'elle a parlé avec Jeanne d'Arc, qui vous posait des questions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je veux bien continuer avec vous. J'arrive pas à comprendre. Vous voulez pas continuer au plus grand cabaret du monde, plutôt avec des magiciens? Je cherche à comprendre pourquoi Gilles de Rais s'adresse à vous en français moderne, tout en ajoutant des mots de français ancien, puisqu'il y en a quelques-uns qui sont disséminés. Ça sert à quoi? Soit il parle en français du XVe siècle et vous ne le comprenez pas, soit il parle en français moderne, et dans ces cas-là, quel intérêt d'y ajouter des mots de français ancien qui donnent l'impression que, voilà, qui vient du XVe siècle? Il n'y a pas de français moderne, de français ancien. Ce qui a été retranscrit par une tierce personne d'ailleurs, parfois par quelqu'un d'autre, c'est ce qui est venu. Je n'ai pas cherché ça. Je ne sais pas ce qui est dit quand c'est dit. Je demande juste à comprendre. Moi, quand Gilles de Rais... J'ai des contacts tout le temps avec des défunts. Gilles de Rais, ça me gênait énormément parce que, pour moi, c'est barbe bleue, point barre. Chercher à comprendre ce que veulent dire certains défunts, c'est chercher à comprendre leur vérité. Pardonnez, ça ne peut pas vous gêner, puisque d'après votre logique, les esprits n'ont pas de morale. Puisque les esprits vont évoluer, oui. Ben oui, mais il n'y a pas de bien et pas de mal chez vous. Par exemple, juste un dernier truc, parce que ça, je sais que ça va faire... J'ose même pas poser la question. Non, c'est vrai que ça m'a fait rire quand vous avez dit « Je parle avec Jean-Luc Delarue en ce moment ». Ah, vous avez vu ça sur... Ah bah oui, forcément. Vous pensez bien, je me suis dit « Tiens, c'est je bien ». Je parle pas avec Jean-Luc Delarue. Même quand mais on fait pas, plus ça, de la télé, on ça. Peut encore communiquer, même quand bien on n'est plus là. Bien sûr, quand on n'est plus là, on peut encore communiquer. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Jean-Luc en ce moment? Mais il dit rien à personne. Il a parlé à quelqu'un qui était... Je suis arrivée à un rendez-vous avec quelqu'un, je ne savais pas que cette personne l'avait connu, et il lui a délivré un message. Et puis je l'ai raconté. Voilà, je l'ai raconté à une journaliste. Voilà, c'est tout. Et ça m'avait beaucoup troublée. Et je lui ai même dit à cette personne, je comprends pas, parce que cette personne venait de l'étranger. Je lui ai dit, je comprends pas, j'ai quelqu'un qui me parle. Il semble que c'est Jean-Luc Delarue, mais ça va vous paraître ridicule. Je vois pas très bien ce qu'il vient de dire. Vous aviez une oreillette, comment ça s'est passé Et en fait, voilà, c'est tout. Mais je sais que ça paraît bizarre, mais je comprends que ça vous paraît stupide et bizarre. Je le comprends. Ça se discute, moi, je l'ai dit. Bizarre. C'est mais pas ça, ça se discute, bien sûr. Mais je comprends. Je le sais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de gens qui sont sains d'esprit, qui vivent les mêmes choses, qui ne peuvent toujours pas en parler parce qu'ils sont pris dans les ricanements, etc. Et je conçois, moi-même j'ai ricané beaucoup et encore je ris de certaines choses. Quelques questions des réseaux sociaux, regardez, voilà, ça c'est un miracle aussi. Voilà, des personnes qui sont voilà, loin de nous et qui j'imagine communiquent grâce à Twitter. J'imagine le pire. Six numéros au hasard. Le 3. Le 3. Pardon.
Hiroshima. Patricia, vous qui parlez avec les morts, dites à Jésus que c'est bon, maintenant il peut légalement avoir deux papas. Ça, c'est joli. Ça, Jésus, par exemple, il ne vous parle pas, lui. Hein. Jésus, il ne vous parle pas. Non, bien sûr que non. Non. Jeanne d'Arc, mais... Alors, Jeanne d'Arc, alors... Non. Jeanne d'Arc, c'est une femme comme une autre. Mais tu ne penses plus seule, spécialement. Non, pas vraiment. Non. Ça, elle nous a dit qu'elle avait... Écoutez, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui était un humain comme un autre. Jeanne d'Arc, elle a été tuée comment, alors? Elle est morte de sa... Je crois qu'elle est morte. Elle est morte noyée. Quelle ironie. Mais si. Qui est con. Un autre numéro pour la route. Hein. Allez, le 5. Le 5, c'est de la rue, je pense. Le 5. Chiche. Patricia Daré, prouvez-moi que vous avez de l'intuition en choisissant mon tweet et j'achète votre livre. Ah ben voilà. Et ben voilà la preuve. Ça ben y est. Voilà. Enfin, un signe. Ben voilà. Les Lumières de l'Invisible, préfacée par Alexandre Adler, c'est chez Michel Lafon. Merci d'avoir été aussi courageuse, Patricia Daré.